et yo confirmé que méchanceté dans prison Bahamas. OK. Mais yo expliqué me ça qui passé méchanceté. Et moun ça son moun qui entré dans faire des marches même. Oui mais pour méchanceté. S'il dans si prison Bahamas faut tac, faut ta au moins une famille. M'a expliqué. Yo pas possibilité ça donc la prison. M'a expliqué. Monsieur Pata voyager sous bon nom. Oui, oui. Yo expliqué monsieur Pata voyager sous bon nom. Et puisque monsieur pas voyager sous de bon nom, l'autre bon nom va le faire des marches pour connaître s'il dans prison pas jeune. Bien bien. Sous bon nom. Est-ce que vous comprenez? Bien donc Koulia là, ça va le passer monsieur. Donc monsieur va être méchanceté. Oui, mais je sais être méchant. Non, vous comprenez. Semble monsieur t'a passé Bahamas ou qu'on super sta bagaille. Et pour si on va être arrivé pour moi pas besoin qu'on comment parce que monsieur c'est monsieur t'a tout été pour la rentrée aux États-Unis parce que direction monsieur à c'est États-Unis. Bon, tout bail monsieur était planifié pour conduire Bahamas pour l'aller. Maintenant, pendant monsieur a rentré dans embarcation, il a arrêté yo. Et devenir pas monsieur. Qu'on y a là moun nan entré à faire des marches, li joine que monsieur passe au bon nom. Donc on y a ça qui arrive monsieur d'après moun qui explique nan. Si on vinn joine monsieur parce qu'il a joine monsieur quand même monsieur dedans. C'est sous un faux nom de voyager, peine n'a plus. Peine monsieur pour le plus. Correct. Et donc, monsieur pas j'aime pas retourner Bahamas encore le déporter. Très bien. Alors, ça, c'est moi, c'est l'important. C'est vraie information ça d'après moun qui pas go intérêt. Ça m'a dit là, c'est très important pour moun qui pas grand pour faire connaître. Voilà. OK. OK. On allez. Bon. Et n'a pas rapidement donc pour dire que comme côté que lié. Mais jusqu'à présent et pas gain tout en fait aucune déportation en cours et dans le cadre de embarcation ça de États-Unis vers Haïti, laissa probablement il y a débarqué au Cap Haïtien ou bien peut-être donc au niveau de l'aéroport international Toussaint Louverture. Ça qui arrive yo. Donc dans quelle situation il est capable mettre tête yo. Moun ka prendre tête yo. Mais après ça mon dit monsieur bien belle là et même monsieur Passou non. Il dit que c'est situation monsieur ça. C'est situation d'après moun ki bago ki intérêt d'ailleurs nèg pa moun porte principal hein li dit que comme monsieur son superstar li t'a regardé pour l'ouest salte café donc li jwenn monsieur parce que li pa n'importe qui monsieur en dedans mais monsieur Passou bon a qui sous écran non monsieur relé méchanceté. C'est non artiste. Un vrai nom, monsieur, c'est Wens Jonathan Désir. Juste moment, n'a pas parlé là. Pas de monde qui connaît qui côté monsieur fait. Moi, je vois en note là que staff. Management monsieur partagé avec nous que nous allons laisser partager à coup également parce que dossier ça a monsieur que je regrette que moi pile commentaire négatif sur les réseaux sociaux par rapport à ça parce que nous sommes pays difficile j'aimerais bien dire mais Jean monsieur paraît disparaître là. Je pense que l'important pour nous essayer de garder ça. Steven Désir, Port-au-Prince, Haïti, méchanceté staff at gmail.com. Plus 1-602-725-6444. C'est comme ça, oui. Notre la partie. 17 juillet 2024. Force police royale Bahamas, département moun disparaît Nassau Bahamas. Sujet. Rapport moun disparaît pour Wens Jonathan Désir. Madame, messieurs.
Moi écrit pour déposer un rapport officiel pour Frem qui pipiti. Wens Jonathan Désir qui disparaît depuis 4 juillet 2024. Mais détail qui important pour Kassa. Information personnelle. Nom complet Wens Jonathan Désir. Date naissance 27 juin 1992. Eh monsieur Timounaye, monsieur oui. Hein? 27 juin 1992. Sexe garçon. Nationalité haïtien. Numéro passeport c'est RM 512 02 79. Numéro NIFLI c'est 004 799 27 72. Description physique. Taille monsieur c'est 6 pieds 4 pouces. Poids monsieur c'est 200 livres. Couleur cheveux c'est noir. C'est dread longueur cou. Couleur jelly c'est marron. Caractéristique Oh oui, monsieur sous colli, monsieur gen tatou sous brali qui montre yon paquet l'argent ak plusieurs lot tatou sous brayo. Monsieur gen piercing nan nen. Monsieur gen tout bay sa sou li. Ben non pa konnen. Eh ben oui, dernier côté yo konnen li teye. Côté. Dernière nouvelle sou li te 4 juillet 2024 à 10h30 nan matin pendant li te sou yon bateau ak yon mayo sauvetage orange ak yon caleçon kout. Ça un détail ça important, nous pas konnen ça. Ça c'est frère monsieur qui sorti note ça pour bay détail sou comment note la longue pas comme kali tout. C'est Steven Désir qui écrit note ça. Bon, m'a aller plus rapide sur lui. Oui, monsieur dit que dernier côté où qu'on est artiste latéyé, dernière nouvelle li sous 4 li té sous bon, dernière nouvelle sous li té 4 juillet 2024 à 10h30 dans matin pendant li té sous un bateau ak yon mayo sauvetage orange ak yon caleçon kout. Data clair c'est 4 juillet 2024 10h30 circonstance dernier côté Wens Jonathan Désir te connaît il était sur un bateau. Raison voyage Wens Jonathan Désir te voyager dans Bahamas pour un concert 18 mai 2024 qui était fait dans The Greenhouse. Il était resté dans Bahamas pour travailler sur prochain projet li qui était programmé pour 2025 jusqu'à fin juin 2024. Il était en contact régulier avec un manager li yo qui t'a discuté sur projet. Contact possible. Nous gain raison pour croire que yo individu qui relé Ilina Iliner Petit Phare qui a contacté dans plus 1 242 819 66 75. Et puis qui était dans Bahamas, t'es communiqué avec Wens pour mettre lui sous bateau. Ménage lui qui c'est Linsa Coleridge Martin qui a gain plus information et puis yo ka contacté lui dans plus 1 516 841 53 13. Information pour contacter pour internet pour la lou papa va me garder moi. OK, c'est enquête créole la loui. Elle écrit enquête là et puis EN mon elle ça me bloquer information pour contacter pour enquête à mise à jour. C'est Steven Désir relation avec monde qui disparaît là c'est grand frère. Numéro de téléphone moi c'est plus 1 602 725 64 43. Adresse email moi c'est mechancetestaff@gmail.com. L'autre information plan voyage possible plan Jonathan c'était fait c'était retourner Haïti.
associé ou bien contacté li te gen contact li te gagné dans zone nan Elinaire Petit Phare qui c'est plus 1 242 819 66 79. Rapport déposé après l'autre agence DCPJ Haïti. M'pa fin comprendre partie ça, bon regardez moi associé ou bien contact li te gagné au t'assemblé Elinaire Petit Farlan, c'est grand contact que monsieur te gagné dans moment t'a fait voyage là. Donc moi mandé force police royale Bahamas pour traiter ça fait ça avec en diligence. Famille ak zanmi Wens Jonathan Désir yo très inquiet pour sécurité ak bien-être li. Nous paré pour collaborer complètement avec n'importe enquête ou soit procédé qui nécessaire pour joindre li. T'en prie confirmer recevoir lettre ça et puis bay moins n'importe mise à jour le plus vite possible. Merci pour attention rapide nous dans affaire série ça. Sincèrement, Steven Désir et notre ça qui également écrit en anglais et c'est ça monsieur Baylanier parce que bayon ti crasse mélangé et maintenant de Steven Désir créole la frappe ma tête papa donc l'a fini écrit ça faut chez connèg qui connait créole là ka bon ti coute mais parce que grand pile journal yo sans créole yo fait. Ça dit faut que go créole la gon Jean lié papa gon Jean le campé. Donc Jonathan Désir jeune garçon ça méchanceté monsieur disparaît depuis 4 juillet 2024 juste moment n'a parlé là et malheureusement grand pile diversion qu'a fait sur réseaux sociaux yo grand pile infox intox un paquet de bail qu'a parlé mais pas grand pour gagner de vérité et d'ailleurs notre monsieur li a prouvé que toute sa qui t'a dit avant yo c'est foulay nèg animateur monsieur nèg ça ou terrible papa rete nèg yo terrible oui la va dire pas comprendre eh ben je ba la comme li donc c'est que notre ça frère monsieur a sorti Steven Désir li confirmer que méchanceté toujours poté disparu. Jusqu'à présent, personne n'a pas nouvelle, monsieur. Contrairement à ça, les radios, les gens qui ont dit, t'as dit sur les réseaux. Contrairement à ça, t'as dit que monsieur déjà Boston, monsieur États-Unis, monsieur même la police Bahamas. Jusqu'à présent, famille en poco, quelle information ça a? Eh bien, famille en poco, eh bien, joue un détail sur disparition. Jeune garçon ça, qui est les méchanceté, qui sont artistes que un pile monde connaît dans le pays d'Haïti. Donc monsieur porté disparu et selon tout ça qui dit monsieur était supposé aller dans un voyage sous bateau justement est-ce que bateau t'a fait naufrage parce que selon sa autorité ou t'a dit pas longtemps t'a gen un bateau t'a fait naufrage on colle entre 7 ou bien 8 moun là-dedans comme ça est-ce que monsieur était dans bateau ça personne pas connaît. Qui sa autorité ou dit est-ce que vous avez une identité moun qui était victime dans bateau qui fait naufrage là ça li important gagnons en même temps parler qui expliquer que comme quoi parce que si toutefois méchanceté te gain volonté pour ta rentrer aux États-Unis vraiment de manière illégale li va pas rentrer sous nom parce que voir ça généralement moun yo changer nom yo toujours changer nom yo ba on l'autre nom en tout cas m'pa konnen même souhaiter vraiment que lumière faite autour de cette affaire pour pays à connaître qui s'est passé exactement dans dossier jeune artiste ça et là nous pral font coup de tête à petit guave bayon ti crasse compliqué dans pays d'Haïti pendant dernier temps ça yo et nous sommes dit à l'heure est-ce que nous prenons un complot mais l'homme pose une question m'a réfléchi à plusieurs bagailles. Haïti, j'ai l'impression faut qu'on marre cœur serré, vraiment serré, pour tenter de défendre nos nègres. Et pour pas tenter de non citer dans des dérives, dans des détails qu'on ne peut pas imaginer.
parallèlement, Haïti son pays tellement difficile. Ou ka levon bon matin et pon nèg taillon bonnet mete sou. Pour des raisons parfois politiques, nèg la gen doit parer men forme tête ou et puis juste décider la gon bagay sou ba ou pour le ka ekato pour le capable mete moun pal nan poste la surtout sou gon poste de responsabilité. Avant hier m'té nan zone koto côté m'ta parlé sou le dossier commissaire Azor. Nous songe qualité bay ki di. Pendant journée là coup de balle fait mikala nan koto. Bah, ça dit qu'on y a ouais zone yo comment oui. Coup de balle fait mikala, gaz lacrymogène, cartouche etc. Et pas bon tout pour l'instant m'a parlé de en dehors. Zone koto. Le marché qu'on a sac passé, moi apprendre que c'est pendant une décision de justice qu'a exécuté et puis juge là qui lui-même pral rendre décision, entendez oui pays. Et puis juge l'a senti que li pas en sécurité. Li relé commissaire gouvernement pour venir porter le secours parce que le senti la ville menacée. Et puis même côté a le commissaire gouvernement gen les débarqué ak équipe li et puis gon équipe moun ki prend disposition gen les pa fini rè men décision justice là et puis yo commencé tirer wash sous magistrat gen les t'ap prend étape exécuter décision son pays difficile ou pas. Donc le commissaire kon a débarqué ak la police équipe commissaire a débarqué pour al pote men fort ak magistrat qui ta en difficulté selon sa li même littéralement commissaire pou le di et ben monsieur fin fait ça gen pou le faire et puis commissaire gen les préjuge de paix al al déposer dans commissariat. Après ça commissaire rentré dans bureau li pour al continuer fait travail li parce que semblait selon sa non joine comme élément information li te doué chita parler à une série de moun employé dans cadre par quel a dirigé. Donc ces moments ça t'assemblé gon machine qui gon gros speaker sous lit qui vient paraître qui a fait bruit etc. et puis yo dit yo menacé pour yo bouler parquet et puis mettre dife dans machine commissaire. Ça me dit pays a vinn difficile papa. Rete. Et pays a vinn difficile. Ça dit qu'on y a ça qui a passé Port-au-Prince, mais là, le reproduit en l'air, oui, là, Suzel Tabernacle. Qu'on y a, nan de gon machine qui vient paraître, bagay, puis plusieurs moun là, débarqué, yon menacé pour yon mettre du feu sur parquet, ya, et puis boule machine commissaire. Et puis même côté, ya, t'assemble plusieurs routes bloquées, wash up tiré sur parquet dans toute direction, bon, selon sa moins joine. Ça qui arrive que gen l'autre version que m'pa gagne. Mais c'est ça me jeune comme information parce que les gros amis qui signalent ça capteur d'émission là m'a laissé regarder pour moi qui ça ba là directement donc c'est ça au moins jeune. Et puis même côté là route gétan bloqué wash up tiré bon là ba la vin dépasser limite kounia et ben commissaire gouvernement obligé mettre pied la terre avec équipe li sortant de ya coup de balle fait mikalaou. Vous comprenez ça, m'dou, gaz lacrymogène pas si par là. Et finalement, vous arrivez à mettre en bas code. Vous n'avez pas été chef des autres là, des acolytes. Eh bien, vous avez été tellement sous goumé, vous avez même brisé. Donc, scellé, côté que vous avez mis. Eh bien, tout à l'heure, vous avez 6 hommes qui ont fait émission. Vous avez des gens qui ont toujours massé tout côté pour faire des ordres. Mais t'assemblé autorité yo yo gen contrôle situation ba yo mélanger rete pays a difficile kounya ban kite l'autre bois à koto ban rentrer tigouave là dans l'ouest pays a gagné yon dossier qui passait que yem te signaler li côté non commissaire tigouave là cité là-dedans. Qui sa ba elan yé directement?
C'est pour me dire que le pays est difficile. Et ça te fait me souhaiter parler à commissaire Elliot. Malheureusement, je ne suis pas joindre. Parce que quand pile bagay kap di, m'te souhaite monsieur faire lumière zo yo. Pour qui ça? Est-ce qu'on songe policier SWAT qui t'a assassiné monsieur Terrell Kadhafi? Dans cadre d'enquête qui t'a mené, yo t'est arrivé arrêter moun qui t'a touyé Kadhafi. Et selon information nous joignent, le hôtel arrête et ça te fait un nèg kovle le ko pavle le m'a toujours bon côté muscadé dans casa yo. Ou en casa, pas t'a gen parler en pile nèg ça va t'a plan encore. Juste parce que kounya pou t'a libéré. Parce que le ou arrête monsieur selon ça nous joignent. Commissaire t'a arrêté monsieur avec la police d'Antigouave. Là où t'es débarqué avec monsieur. Yo t'ai joint zam Kadhafi. Plus zam monsieur. Monsieur t'ai même prend zam ça li remettre en madame non ménage li qui gèlè kont man zam tout. Li t'ai bali zam nan. Yo joint l'autre document Kadhafi kay monsieur. C'est-à-dire pièce à conviction qui prouvait qui justifiait que c'est monsieur même qui touye policier. Yo arrêté monsieur, yo mettez-le dans prison. Monsieur relé Émile Gary. Alors que gagné parquet Tigouave qui pral bayon ordre de mise en liberté pour un citoyen et c'est l'âme des besoins font y parler avec avec commissaire parce que nan notre commissaire sorti qui écrit qui date 6 mars 2024 attendez commissaire a mandé pour yo libérer qui est un citoyen qui rele exil Gary ouais nan écrit on virgule seulement mal placé le gâton phrase OK ou dit ne pas virgule tuer ne pas tuer tuer ne pas tuer virgule ouais tuer tu as gâté vini on virgule seulement qu'a gâté bagaille et ben commissaire a mandé pour libérer exil Gary alors que prison civile Tigouave même libéré Émile Gary qui s'est présumé criminel présumé assassin policier SWAT qui relie Kadhafi. Kounya moins gain notre là même gain ordre de liberté là même. Ça me devle malheureusement pas joindre commissaire. Me devle confirmer ça cli parce que est-ce que c'est une coïncidence? Parce que moi justement ça commissaire a défendre son bagage qui falsifié. Parce que si m'a l'aime faire zoom sous lui et me pral partager le sur réseau yo c'est me dit nous déjà moi-même m'a gagne personne m'a défendre son pays qu'en difficulté son petit coup même m'a bailler parce que m'a regardé effectivement sous bien gardé écrit avant ou senti c'est Émile qui t'a écrit alors que c'est comme quoi M nan vin tourner X. Est-ce que c'est tout comme ça notre là la joine prison ou bien son note qui falsifié pour capable créer diversion? Bah yo mélangé. Non bah yo tri sou papa. Pas connait. Ça veut dire que qu'on y a t'assemblé selon sa commissaire a dit pas gain bail comme ça du tout. Donc li pa gain et bon, gain plusieurs monde. Nous parler à plusieurs autorités, nous même parler avec un ami proche, commissaire qui était arrêté monsieur même qui confirmait effectivement c'est moun li t'est arrêté hein. Et malheureusement commissaire Elliot t'a libéré. Gen plusieurs notes,
de solidarité à commissaire Elliot qui dit que c'est montage, donc pas gagné de vérité avec ça qu'a dit, etc. Bon, ça toujours arrivé. Donc l'essentiel, bah, y a pas clair. Et commissaire Elliot, dans en intervention, il a essayé d'expliquer ça. Monsieur expliqué que, comme quoi c'est un monde qui a, comme si il a une ambition pour prendre place, li a, qui n'a pas de contrôle par rapport au travail qui fait que monte dossier contre lui. Bon, c'est ça, commissaire Azote dit tout. Finalement, même Jean-commissaire Giverna, Guillaume Nangonaïve, donc là, bah, la mélanger parce que. Par exemple, même dans le dossier commissaire Guillaume Nangonaïve, m'a regardé son paquet, son qui sont documents au bail, c'est pas ta son paquet à réel, bah yo mélangé. Finalement, confused. Dans confusion parce que dans confusion. C'est conseil de nèg ou t'as supposé faire minimum crédit dans société là quand même. OK parce que ba nèg kon tande dans mauvaise affaire etc. Mais ou tellement gen ba ou attendé qu'on vient dans confusion totale pour connait qui ça ba là. Et Jovenel Moïse te don parole, monsieur a dit que pays a gen 5 problèmes. Corruption etc. Et bien sûr, pays a gen corruption. Et sous besoin garder côte corruption, c'est dans l'État même pour aller pour garder dimension corrompue dans l'État. Aller dans la douane, aller dans la police, aller dans la justice. Ou joindre corruption qui existe dans toute boîte ça yo, ministère yo. Ou même dans l'église corruption existe, je veux dire. Parce que qui ça qui passé? Je voulais comprendre la réalité ça, je veux dire. Corruption est dans toute sphère dans la société. Mais au-delà de corruption, Kapta Ibanda, si on bagay pour moi-même qui est primordial, que nous devons mettre accent sur l'unité dit au départ, c'est l'impunité qui a régné. Absence de justice, absence de sanctions qui par jam prend dans le pays. Et puis, puisque par jam gen exemple qui tracé, tout nèg fait ça ou vle, et yon pense que yon ap kak fel jan ou vle tout temps, parce que pap gen sanctions après kont yon. Yon ap toujours continue violer la loi. C'est comme ça yon fonctionne. En tout cas, commissaire a parlé, mais qui ça le dit, bon me fait entendre commissaire Elliot. Pierre-Paul, dans petit gouave, bon, honnêtement, c'est pas un nèg qu'on est qu'on a trop démagogie. Mais, bah, yon mélange. Eh bien, commissaire après. Commissaire, bon, monsieur Relé, ou bon, moi, la Brelem là. Eh bien, bon, fait entendre, commissaire, non, côté commissaire. Et à travers les réseaux sociaux, nous constatons que gagné un ordre de mise en liberté qui émet pour un prévenu ou bien un détenu. Qui relait exil Gary, oui, effectivement, et Pakea te met un ordre de mise en liberté pour exil Gary. Cependant, et prison civile Tigouavla libéré à la place de exil Gary, libéré Émile Gary. Nous-mêmes, au niveau Pakea, moi-même, en tant que commissaire qui est responsable Pakea, moi décliné toute responsabilité que moun ta fait quoi. Groupe moun, tout moun connaît yo, ta fait quoi, c'est moi-même, ok, qui libéré Émile Gary. M'a dit nous non, Pakea pas de jamais libéré. Commissaire Elliot pas de jamais libéré Émile Gary. Commissaire Elliot te libéré de préférence exil Gary. D'ailleurs deux moun sa yo c'est deux moun différents. Exil Gary li te nan prison pour voler cabrit d'accord au préjudice de la société. C'est un moun yo te jwenn cabrit nan men, OK, et puis yo pa de jam ka vinn met cabrit la li même jusqu'à ce que la police te arrête l, yo te déféré dossier au niveau parquet, li te fait un paquet de temps dans prison, nous même nous estimé que moun sa pou te voye l'aller. D'accord, nous te libéré exil Gary.
Quant à pour Émile Gary, nous pas jamais libéré Émile Gary, c'est prison civile de Petit Goave, d'accord, qui libéré Émile Gary à la place de exil Gary. Bon, tout le monde connaît raison. Raison qui s'allie. Moi ne tête pas qui a mené une lutte contre la corruption, une lutte contre un groupe de monde qui a fait faux au niveau paquet. Un groupe de monde qui au niveau juridiction, un groupe de monde qui a monté envahi bien monde, envahi terre monde. Eh bien, l'un mot trois petits pour moi. Eh bien, je dis, yo décidé pour ça l'image commissaire Elliot. Et moi-même m'a dit tout le monde qui croit notre travail commissaire Elliot là. Tout le monde qui croit, tout le monde qui témoigne que le commissaire Elliot n'a jamais rentré dans ce groupe faussaire, là, groupe de monde, d'accord, corrompu, ok, qui ne connaît pas qui porte au passé, soit il vient avocat ou bien il intègre la justice, d'accord. Je ne dis pas, moi, tourner une bête noire pour yon dans la tête de paquet, parce qu'il y a besoin de placer un substitut commissaire dans la tête de paquet. Et il y a besoin de tout placer un autre monde. D'accord, dans tête paquet, il a fait tout ça qui dépendait depuis même le ministre et Carlos qui inculte venu dans tête ministère là. Depuis son ministre prophète, il a demandé pour transférer ministre prophète pas de jambe, ok, dire que ministère de la justice pas de jambe pour transférer. Mais je ne dis pas, il n'y a pas qu'on ait rapport moi-même avec ministre Carlos. De ce fait, il y a besoin pour ministre Carlos jouer nos dossiers, d'accord, pour soit transférer ou bien ben promotion pour yon capable d'une faire d'une établi gang, d'accord, dans juridiction notamment dans ville Tigouave. Et bien m'a dit tout le monde continue quoi dans commissaire Elliot, moi pas jamais impliqué dans libération Émile Gary, moi même moi t'ai libéré exil Gary que j'ai tout le monde à travers et liberté qui a circulé à moun ouwe que exil Gary, oui c'est lui même moi t'ai libéré, moi pas jamais libéré Émile Gary. Et notamment commissaire responsable prison lui écrit correspondance à commissaire gouvernement lui et clairement dit que Ereat sorti dans prison, c'est prison qui ok libéré Émile Gary, c'est pas le paquet.